الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا مع التقوى وأن يحشرنا مع المتقين تحت لواء النبي محمد الأمين. نسأله أن يعصمنا من الأهواء المردية ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم نتكلم في شرح حديث عظيم رواه مسلم عن أبي هريرة، وهو أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. Alors, Inch'Allah, nous parlons aujourd'hui d'un grand hadith qui comporte un grand conseil de la part du prophète عليه الصلاة والسلام envers sa communauté. Le hadith rapporté par Muslim de Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager de Dieu a dit: n'enviez pas l'un l'autre, yani ne pratiquez pas entre vous la jalousie, ne faites pas la vente pour faire tromper les gens, c'est-à-dire en augmentant le prix pour faire tromper les autres en donnant un prix élevé, et n'haïssez pas l'un l'autre. N'haïssez pas l'un l'autre, ne pratiquez pas l'animosité, et ne tournez pas le dos l'un à l'autre, et ne vendez pas une vente sur la vente de l'autre. Par exemple, quelqu'un, il s'est mis d'accord d'acheter la voiture à 5 000, et toi tu lui dis: non, viens, moi je te donne moins cher que ça, comme cette voiture moins chère. Ou tu dis au vendeur: ne lui vends pas, moi je l'achète à 6 000. Alors c'est ça, wala bi' ba'dukum ala bi' ba'd. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, soyez des frères. Si vous pratiquez tout cela, si vous délaissez la jalousie, l'envie, l'animosité, ne tournez pas le dos à l'un l'autre, ne vous faites pas la dupe ou ce qui est pareil à ça, vous seriez des vrais frères. Le musulman est le frère de musulman. Le musulman est le frère de musulman par la religion, la croyance. Alors, il ne pratique pas de l'injustice envers son frère, il ne délaisse pas son frère lorsqu'il a besoin de son soutien, il ne le méprise pas. Et le prophète, alayhi salat wa salam, fait signe vers son cœur et il a dit: la piété réside ici, 3 fois, pour dire que ce n'est pas les choses apparentes qui comptent, mais plutôt la piété qui est dans le cœur qui compte. Suffit comme mal le fait que le musulman dénigre son frère musulman. Suffit comme mal, c'est-à-dire c'est grave pour toi le jour du jugement, tu es venu et tu étais quelqu'un qui dénigre les musulmans. Tout le musulman est interdit pour le musulman, c'est-à-dire son sang, ses biens et son honneur. Le hadith, comme je viens de dire, rapporté par Muslim, wa kitab Muslim asahhu sahih ba'da kitabillah wa kitab al-Bukhari. Alors, le hadith rapporté par Muslim est le livre de Muslim, il est le livre le plus juste après le Coran al-Karim et après Sahih al-Bukhari. An Abi Hurayra wa huwa Abdurrahman ibn Sakhr
رضي الله تعالى عنه روى نحو 3000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أجيرا ثم بعد ذلك بالإسلام صار إماما، عين أميرا على المدينة، وكان يوما يحمل شيئا من خشب على عاتقه ويقول طرقوا للأمير، طرقوا أفسحوا المجال للأمير، والأمير يحمل خشبا على عاتقه. كما كان أبو بكر لما ولي الخلافة أخذ شيئا يبيعه، قالوا إلى أين يا رسول الله؟ قال أين أطعم عيالي؟ قالوا ارجع نحن نفرض لك. هؤلاء الأمراء في ذلك الزمان هكذا كانوا. ألوغ أبو هريرة يسابيل عبد الرحمن بن صخر إلى غابورتي أبوبخي 3000 حديث du prophète parmi les compagnons qui ont rapporté le plus, parce que depuis son islam, il était toujours avec le prophète alayhi salat wa salam, et il a vécu longtemps pendant que plusieurs compagnons mieux que lui sont morts, et les gens ont eu besoin de ce qu'il a appris. Abu Huraira radiyallahu anhu, il était avant l'islam un simple, il travaillait comme employé chez Ibn Affan et tel et tel, et par la suite Allah l'a guidé à l'islam et on l'a désigné même amir. Et par sa modestie, un jour, on le voyait porter un pot de bois sur son épaule ou sur le dos. Il dit, laissez passage pour l'amir. Il n'a pas eu honte de porter le bois sur son épaule pour aller chez lui, même s'il est amir. Et on rapporte encore de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, le lendemain, après qu'on l'a désigné calife, il a pris quelque chose et il est allé au marché. Alors, Abdurrahman ibn Awf et un autre compagnon, on a dit « Où vas-tu ?» Et il a dit « Je vais nourrir ma famille. » Ils ont dit « Reviens, la communauté musulmane a besoin de toi. » Et on lui a dit « Qu'est-ce qu'il dépensait Abu Bakr pour sa famille avant d'être calife ?» On lui donne la même chose. On lui donne la même chose après qu'il est califat et il a accepté. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un jour il portait des choses pour sa main et là quelqu'un il est venu pour porter, il lui a dit Abu al-Iyali Aula, il a dit celui, le père de la famille, celui qui a des enfants est prioritaire de porter. Et c'est une chose le fait de porter les choses du marché chez toi à la maison, ça montre la modestie. Il ne faut pas que la personne se gêne de porter les choses qu'il a besoin pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents pauvres. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا لا تحاسدوا أي لا تتحاسدوا. N'enviez pas l'un l'autre. Ne soyez pas jaloux l'un de l'autre. النعم من الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاعتراض على الله فيما قدر. Les bienfaits, que soit dans le bas monde, beauté, santé, bien. Et dans la religion, c'est de la part de Dieu, c'est Allah qui a partagé. Alors on n'a pas le droit de se rebeller contre Dieu et on n'a pas le droit de se révolter contre Dieu parce qu'il a donné à celui-là plus que moi, ou il a donné à celui-là plus d'intelligence, plus de beauté, plus de bien. Ou dans la religion, Allah Ta'ala a fait qu'il a une certaine mémoire et intelligence et il a pu me dépasser dans la religion. مع العلم أن الحسد مركوز في طباع كثير من الناس يعني tout en sachant que dans la nature de l'être humain, beaucoup parmi les êtres humains, ils ont cette envie. لكن يتفاوت الناس في ذلك. Mais les gens par la suite, il y a des gens qui voilà, il y a ce sentiment dans son cœur, dans sa nature d'envier les gens et d'être jaloux des gens. Et il y a des gens qui, voilà, la religion, la crainte, la piété, le fait qu'ils contredisent cela. Ils contredisent ce sentiment. Et il vient vers la personne que lui, il trouve qu'il a quelque chose contre lui. Il vient vers lui pour le saluer, pour pratiquer avec lui une certaine modestie. Il fait des invocations en sa faveur. Voilà, pour qu'il enlève ce qu'il ressent dans le... Alors celui-là, vraiment, il est parmi les bons musulmans. يقول ما هذا ما هذا الذي أجده على أخي إن كانت هذه نعمة دينية أو دنيا ما هذا الذي أجده
لما؟ الله قسم الرزق، والله قسم الفهم، والله قسم العقل، والله قسم الثناء، والله قسم بين عباده، فيصير يخالف ما يجد، فيدعو لهذا الإنسان، يبتدئ بالسلام، يبش في وجهه، يساعده، يعينه، يدعو له بظهر الغيب حتى يزيل ما عنده. يقول: ما الذي هذا؟ هذا أخي، لما أنا أجد فيه؟ لما يكون في قلبي شيء ضده؟ لما يكون في قلبي تمني زوال النعمة عنه؟ فيخالف ذلك. طبعا هؤلاء هم الطيبون. S'il trouve ça, il le contredit, il fait le contraire de ce qu'il dicte son ego et il va vers le fait de lui faire du bien et des invocations, et il demande à Allah Ta'ala qu'il soit parmi ceux qui remercient Dieu Azza wa Jal. ومنهم من يسعى في تحصيل ما عند الغير من دون أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير. Alors des fois il cherche à faire comme lui, à avoir comme lui, sans souhaiter que ce bienfait disparaisse de son frère. Encore, il n'y a pas du mal dans celui-là. Hein, il essaye de faire comme lui sans avoir un sentiment contre lui, sans souhaiter que ce bienfait disparaisse de son frère. ومنهم من يسعى في تحصيل ذلك مع تمني زوال النعمة عن غيره ولكن لا يسعى. Mais il y en a certains maintenant, ils cherchent à être comme lui et ils souhaitent si ce bienfait disparaît de son frère sans agissement par la parole, sans agissement par l'acte, mais quand même il souhaite que ce bienfait disparaît de son frère, qu'il s'agit de certains bienfaits dans le bas monde ou certains bienfaits dans la religion. ومنهم من يسعى في تحصيله وفي زوال النعمة عن غيره ويسعى في زوال النعمة عن غيره. Il y en a ceux qui cherchent à faire comme lui, à voir les mains, ce qu'il a ses frères, et il souhaite que ce bienfait disparaît, et il cherche par la langue et par les membres à faire disparaître le bienfait de son frère. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَسْوَأُ النَّاسِ أَسْوَأُهَا أُولَا يَحْوَالًا. C'est-à-dire, ça c'est le pire de toutes ces sortes, c'est celui qui souhaite voir le bienfait de Dieu disparaître de son frère et il cherche à l'enlever, il cherche par la parole et par les actes à disparaître ce bienfait. وَهَذَا الْمُحَرَّمْ بِالْإِجْمَاعِ. Ça c'est interdit par l'unanimité, c'est lui qui souhaite faire disparaître que le bienfait soit disparaît et il cherche à le faire, à faire disparaître par la langue et par les membres. Ça c'est interdit par l'unanimité. وهو المراد بالحسد المنهي عنه في الحديث وهو لا تحاسدوا. يعني n'allez pas donc l'envie vous pousse à chercher à faire disparaître les bienfaits de vos frères. تمني زوال النعمة واستثقالها والسعي بذلك هذا حرام بالإجماع. Le fait de souhaiter que le bienfait disparaît et le fait de trouver c'est trop pour lui, pourquoi c'est, il le trouve que c'est trop pour lui, qu'il ne mérite pas ça ou qui, et il cherche à la faire disparaître. وهو ذنب إبليس عليه السلام حسد أبانا آدم وسعى في إخراجه من الجنة. إبليس, ça c'est Iblis, Satan, Adouullah, Adouul Muslimin, l'ennemi de musulmans, et voilà. Et il a fait cela, il a envié notre père Adam, et il a mis en pratique le fait de faire disparaître le bienfait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce mérite que les anges se sont prosternés pour lui et il était meilleur que les anges. Et lui, il l'a pas accepté. Et puis après, il a cherché à le faire sortir. Et qasamahu halaf, hein, il a juré que si tu étais interdit de tel arbre, c'est pour que tu n'auras pas l'éternité, ainsi de suite. Et si tu manges de tel arbre, tu auras beaucoup de bien. Et il a insisté jusqu'à que Adam a mangé de cet arbre. Mais Adam, il s'est repenti. C'était un petit péché, il s'est repenti. Mais Satan, il a mécru lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu et il ne s'est pas repenti et il ne va pas se répandre. Yani, طيب, حسد آدم وهم بإزالة النعمة التي أنعم الله عليه وهو أن يخرجه من الجنة وأخرجه بالكذب والحيلة والمكر والخديعة
ووسوس لحواء لتعينه أيضا، ولكن آدم عصى معصية كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، معصية لا نقول كما قال أهل الكتاب معصية كبيرة وعلى ضوئها كل الخلق يعني أخذوا من هذا المعصية الخطيرة، عصى آدم ثم تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته واصطفاه واصطفاه. الله تعالى accepté et Allah Ta'ala l'a élu et Allah Ta'ala a fait de lui un prophète messager. Mais Iblis il s'est pas répondu. لكن Iblis ما تاب وكفر لما اعترض على الله. Il s'est rebellé contre Dieu et là il a mécru. Et il va pas se répondre non plus et لن يتوب أيضا. أن الله أخبر أنه سيكون في النار. Allah nous a parlé qu'il va mourir mécréant et qu'il est dans l'enfer. والله تعالى له في خلقه شؤون. فإذا فكرت أن هذا إبليس رأى الجنة ويعلم ما عند الله من العقوبة وكان مع الملائكة يعني عاين شاف الملائكة كان في الجنة رآها ومع هذا كفر ومع هذا كفر، فأنت هنا بعض الأحيان لما بتشوف بعض الناس بيرتدوا عن الإسلام من أجل ورقة أو امرأة أو مال أو رياسة، إيه هكذا بعض الأحيان بعض قساوة القلب تصل بالإنسان إلى الكفر مع علمه بالحق. Des fois, comme on vient, Satan, c'est l'histoire pour nous qui connaissent que ça veut dire être dans Jahannam éternellement. Pense que ça veut dire être dans Jahannam une minute. Alors, le fait d'être dans Jahannam une minute, c'est pas une chose supportable. Alors, éternellement, alors comment ça se fait la personne qui sait cela et il sait qu'est-ce qu'il y a dans le paradis pour celui qui meurt musulman et malgré ça il a mécru? Et pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a donné à Adam plus de mérite, mais c'est Allah qui donne le mérite à qui il veut et il a mécru malgré ça. Alors lorsque tu entends que telle personne a mécru à cause d'un papier, un permis ou un passeport, ou à cause d'une femme ou à cause de l'argent ou à cause d'un pouvoir, et des gens ils mécroient pour rien, pour rendre service à un injuste, pour rendre service à un président injuste, ils mécroient. Alors voilà, وَإِنَّ مِنَ الْقُلُوبِ مَا هُوَ أَشَدُّ قَسَاوَةً مِنَ الْحِجَارَةِ. Il y a des cœurs qui sont plus durs que certaines pierres, tu vois de l'eau qui sort. Il y a certains cœurs comme Allah Ta'ala les a décrits, comme les pierres même plus dures, parce qu'il n'y a pas de bien qui sort de ses cœurs. والعياذ بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر بعض أهل الكتاب قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين لهم الحق حسدا. الله تعالى a parlé de certains parmi les gens de livre. Il a dit الآية qui signifie beaucoup parmi les gens de livre, ils souhaitent, s'ils arrivent à vous faire détourner de la foi par jalousie, après qu'ils ont su, par jalousie de leur part, par envie de leur part, après qu'ils ont su la vérité. Et Allah a dit, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Allah Ta'ala a dit que ces gens-là connaissent le prophète Muhammad comme ils connaissent leur fils. Yani, beaucoup parmi vous, ils ont des enfants et ils connaissent, c'est mon fils. Même si tu mets 10 millions, il dit c'est mon fils. Et ils le connaissent que le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs enfants. Et malgré ça, ils n'ont pas cru. Et lorsqu'ils ont vu les Arabes idolâtres qui adoraient les idoles, qui n'ont pas cru à Moïse ni à Jésus, qui croyaient aux idoles, ils adoraient les idoles. Ces gens-là ont délaissé l'idolâtrie et ils ont cru à Sayyidina Muhammad. Et par la suite, ils ont cru encore en même temps, c'est pas par la suite, à Jésus et à Moïse et à Abraham. Et eux, ils n'ont pas cru à Sayyidina Muhammad comme ils devraient, parce que Moïse leur a dit de croire au Muhammad et il a donné certains attributs. Et Jésus aussi. Il leur a ordonné de suivre le prophète qui s'appelait Ahmed. Et il a parlé de certains attributs. Mais ces gens-là, ils n'ont pas cru. Par orgueil. Et par la suite,
Au lieu de dire, voilà, on a fait du mal à nous-mêmes, ces gens-là, ils ont fait du bien, et ils ont envié les autres, ils étaient jaloux des autres, ils souhaitent, s'ils arrivent, à vous arracher de l'islam, à vous enlever de l'islam. C'est pour cela, des fois, ils proposent à certains l'argent, le pouvoir, les femmes. Oh, attention, mes frères, la foi, l'islam, même si on te propose l'or de toute la terre, c'est comme ils te proposent la peau de l'oignon. Il ne vaut rien par rapport à l'islam. La ouahad. بدي يعرض عليك مهما عرض لو عليك عرض عليك ذهب الدنيا هذا ذهب الدنيا أمام الإسلام ما بيساوي قشرة بصل أمام الإسلام أمام الموت على الإيمان لا يساوي قشرة بصل فإياك ثم إياك أن تبيع الدين بالمال méfie-toi de vendre ta religion contre quelque chose d'éphémère de ce bas monde ni un passeport ni un permis ni un travail ni une femme ni un pouvoir ni un poste ni le reste de parmi les choses. Al-hasad alladhi fihi tamanni zawal an-ni'ma bil-qalb wa law lam yas'a lahu bil-fi'l hadha alladhi fihi khilaf wa as-subki wal-ghazali wa qayl yaqul huwa haram aydan. Alors envier le musulman en souhaitant de faire disparaître tel bien ou tel bien, et là où il y a une divergence parce qu'il n'a pas agi par la parole, il n'a pas agi par les actes, mais il a ce sentiment dans le cœur et il n'a pas contredit cela de son cœur. C'est comme il accepte, il veut que ce bien disparaisse de son frère. Alors certains savants comme Taqiyuddin Subki et d'autres ont dit que c'est haram. Et il y en a certains, ils ont dit il est haram lorsque on agit en conséquence. Et l'autre avis est plus fort que ce deuxième, que c'est haram. Alors le bon musulman, si jamais il trouve, il contredit ce sentiment et il cherche à faire le contraire. Alors le bon musulman, s'il trouve quelque chose, pourquoi? Moi je vous ai dit par exemple, on est dix, on apprend c'est un seul cheikh. Et puis peut-être huit, ça fait 10 ans. Et deux, ils sont vient de venir. Et pendant une année, 2 ans, ces deux ont dépassé le 8. Et ils ont dépassé, par exemple, le grand élève de ce cheikh. Ce grand élève, s'il est un bon musulman, il va être très content. Il dit, subhanallah, mashallah, c'est quelqu'un qui est venu le dernier, il nous a dépassé. Mais c'est un bon signe. Il est intelligent, il est bien. Ça va fortifier notre communauté. On aura un enseignant en plus, ainsi de suite. Et il arrive, il va faire beaucoup de bien. Et lorsqu'on aime Dieu, on aime voir l'obéissance. Safiya, barakallahu fik. T'as bien fait. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui. S'il a trouvé un sentiment contre lui, et il souhaite d'être le dernier, celui-là, et qu'il oublie, qu'il ne réussit pas, et il souhaite que son cheikh, le cheikh là, qu'il le gueule, qu'il crie sur lui, qu'il le chasse. C'est un très grave maladie du cœur. C'est là où on a dit la maladie du grand diable, l'envie, la jalousie. Il ne faut pas qu'on aura cette maladie dans le cœur. Ma matloub an takoun fi qulubina hadhihi hadha da hadha al marad da iblis al hasad tamanni zawal al ni'ma an ikhwanik al matloub أن تلحظ أن النعمة دينية إذن هذا أقرب إلى رضوان الله فأنا أفرح لأخي كما أتمنى أن أكون مثله وأتمنى أن يزيد. Si c'était un bienfait dans la religion, je suis très content pour lui et j'aime le concurrencer tout en souhaitant qu'il continue même s'il va me dépasser. Et on a dit à certains moments, il ne faut pas que tu dis il faut qu'il soit comme moi parce que toi tu dois être non satisfait de toi-même. Si tu n'es pas satisfait de toi-même, il ne faut pas que tu souhaites que tes frères soient comme toi, mais plutôt mieux que toi. مطلوب أن تتمنى أن يكون هؤلاء سبقوك لأنك لست راضي عن نفسك. هذا حال لما الإنسان يكون حبه صادق لله. Lorsque la personne est véridique à l'amour de Dieu, il aime Dieu véridiquement, sincèrement, il ressent cela. Il est content de voir ces gens-là autour de lui. Ils l'ont dépassé. Alors lui, il n'a que les concurrencer tout en étant content. هذا مطلوب ان يكون
حالنا في هذا الشيخ عبد الله كان يوصي أحبابه تلامذته في ذلك. للشيخ عبد الله nous conseille d'être comme ça. وكان يحب الإنسان الصافي المخلص الصادق المخلص الصادق المتواضع. Il aimait voir dans ses élèves la modestie, la sincérité, la véracité, le fait d'aimer le bien pour les frères comme lui-même. Et il le répétait, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » fi amr ad-din ou fi amr ad-dunya. L'un de vous n'atteint la perfection dans la foi que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qu'il s'agit du bas monde, les affaires du bas monde, qu'il s'agit dans la religion. Alors si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors pourquoi tu vas souhaiter que ce bienfait disparaît? Dabba ilaykum da'u al-umami qablakum al-hasad wal-baghda wal-baghda'i al-haliqa la aqul haliqatu sha'ar haliqatu d-din. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que voilà, il est en train de s'approcher de vous l'épidémie ou maladie des communautés précédentes, l'envie ou la jalousie et l'animosité. L'animosité et la rasoir, je ne dis pas la rasoir des cheveux, la rasoir dans la religion, c'est-à-dire celui qui vit ce sentiment, il a de l'animosité, celui-là, et contre celui-là, et contre celui-là. Et des fois lui-même, tu lui dis pourquoi, il ne sait pas. Mais pourquoi? Tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'as pas raison. Et ça c'est très mauvais. Amma yubghid lillah li'annahu hadha insan namam wa yansah nansahu la yaqbal. Hadha insan ghashash nansahu la yaqbal. Hadha insan yani yansuru a'da' al-islam 'ala al-muslimin wa nanhahu fala hadha hubbu bughdahu fi thawab. C'est la personne. Par exemple, il fait la médisance, il fait la zizanie, il cherche à diviser la communauté, on le conseille, il n'accepte pas. Alors toi, tu le détestes à cause de ça. Alors ça, c'est une bonne chose, le fait de détester son acte et le mettre en garde contre lui à cause de ça. Ou celui-là qui trahit, qui triche les musulmans et on le conseille, il n'accepte pas. Ou celui-là, il soutient les ennemis de l'islam contre les musulmans. Alors tu le conseilles, il n'accepte pas. Alors dans ce cas, détester celui-là, tu l'as de la récompense, parce que celui-là, il est en train de faire des graves péchés qui nuisent à la société et à la communauté musulmane, et il n'accepte pas le conseil. Mais avoir de l'animosité contre une personne parce qu'il est plus beau que toi, parce qu'il a une belle voix que toi, parce qu'il est plus beau, parce qu'il a une belle voix, parce qu'il réussit l'examen dès la première fois, parce que à chaque fois qu'il rentre dans une affaire, il réussit, parce que lorsqu'il est venu tout de suite, le cheikh, il l'a mis à côté de lui, dans la société, on l'a mis vice-président et à côté. Et c'est Dieu qui a fait les choses. Ce n'est pas une raison pour détester ton frère. أحلى صوتا أو لقي قبولا لقي قبولا c'est-à-dire mais moi ça fait 20 ans je suis imam, celui-là ça fait 5 ans, comment ça se fait que les gens viennent plus pour sa leçon et autour de lui, comment ça se fait c'est Allah Ta'ala qui a fait, tu n'as pas compris, c'est Allah qui prédestine. Et si Allah Ta'ala a mis l'amour de cette personne dans les cœurs des gens, regarde, peut-être il est plus sincère, peut-être il est plus modeste, peut-être il est plus sage, peut-être il est plus généreux, peut-être il est à leur service, et toi tu te mets derrière ton bureau, tu vois personne. Mais en bas de la chambre, lèche, hada andou 5 snin, ou ana andi 25 sana, anzor, hal asdaq minka halan, hal aksaru tawadouan, hal aksaru karaman, hal huwa yata'ata ma'an nas, yajlisu ma'ahum ka'annahum minhum, hal yaqoumu بينهم كأنه واحد منهم يساعد الفقير والمحتاج وأنت أنا الرئيس أنا الزعيم يعني بعض الناس يحو هيك دي فوا écartez vous إجا الزعيم écartez vous il est venu l'imam il est venu le chef. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام était comme ça, سيد الأولين والآخرين. Non, سيد الآخرين والأولين. Il s'assied avec ses compagnons comme l'un d'eux. Une femme lui demande un service, il va avec elle. Un esclave, il l'invite pour manger, il mange avec lui. Un enfant, il lui demande quelque chose, il l'écoute. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخلق الذي جاء به على كل يعني
وهذا كثير ما يكون الحسد أحيانا يعني بين بين المشايخ، وأحيانا entre les imams، entre les مشايخ، et des fois entre les chefs qui ont l'argent، entre les chefs des sociétés، entre des fois les présidents، des fois entre les chefs des tribus، des fois entre les frères، des fois entre les frères du côté père et mère. ولما ولنرجع نقول الله قسم الأرزاق وقسم الآجال وقسم الفهم. الله سي الله كي أبخي ديستيني لا بوتي لا ريشيس لانتليجنس لا لو تيرم دو شاكان دو نو كونت اس إل مور انسي دو سويت اي اون اون اغري سو كو الله سبحانه وتعالى اون سي ريبيل با كونتر سا بروديستيناسيون لا نعترض على الله فيما قدر. طيب ماشي، هلا هذا الذي يخالف، هذا الذي في قلبه، هذا vraiment انسان عظيم. Celui qui contre s'il trouve quelque chose il dit je comprends pas, j'ai un sentiment contre ce frère. Ce frère est mieux que la Kaaba. ما هو صغير المسلمين افضل من الكعبة. Ce frère est mieux que la Kaaba. Pourquoi j'ai un sentiment contre lui? Ana si je vois de la Kaaba, Allahu Akbar. Si on regarde le da'wa, on fait l'invocation, ton frère est mieux que la Kaaba. Si tu dois glorifier la Kaaba, alors ton frère est mieux que la Kaaba. Alors il ne faut pas le dénigrer. Il n'est pas beau, eh oui, mais vous connaissez dans l'islam, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. On n'a pas vu le plus beau, le plus riche. مش عنا ليس في دين الإسلام. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. L'amr يرجع إلى التقوى، لا يرجع إلى جمال الوجه والصوت ولا إلى الغنى. Alors chez nous, le degré, c'est pas celui qui a plus d'argent, premier rang s'il vous plaît. C'est lui qui a les habits le plus beau, voilà premier rang. Hein, c'est lui qui a plus de société, voilà, c'est le meilleur voiture, il vient en premier rang, pas du tout, pas du tout. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا. Les prioritaires de mon amour, de mon agrément, qu'ils soient à côté de moi le jour du jugement, c'est les pieux. Qui ils sont, où ils se trouvent, qui ils sont, de quelle tribu, de quelle nationalité, et où ils se trouvent, en Chine ou à la Mecque ou à Médine. Le pieux qui sont à côté de lui le jour du jugement, et ceux qui méritent l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في قربه. Nous demandons à Allah سبحانه وتعالى d'être à côté du prophète عليه الصلاة والسلام. وكما قال ذاك الصحابي بتذكروا قالوا صحابي qui a servi le prophète عليه الصلاة والسلام des années. قال سلني. Le prophète a voulu faire une invocation envers cet homme. قال سلني. قال أسألك مرافقتك في الجنة. Il a dit quoi? Je demande que tu demandes à Dieu que je t'accompagne au paradis. قال أو غير ذلك. Le compagnon, le prophète Mohammed, il a dit autre chose. قال هو ذاك. Le compagnon, il a dit c'est ça. قال عني على نفسك بكثرة السجود. Le messager de Dieu a dit alors aide-moi, je vais faire des invocations. Aide-moi par le fait de redoubler l'effort de ta part. Par la prosternation, c'est-à-dire que tu sois parmi les gens qui prient, qui craignent Dieu, qui pratiquent le meilleur toujours. Bien sûr, on est d'accord que personne n'atteint le niveau parmi les saints, n'atteint pas le niveau du prophète Mohammed. Mais s'il est parmi ces gens-là, il peut être avec le prophète dans certains cas, il peut le visiter le prophète عليه الصلاة والسلام des fois. ليس معناه أن الصالح يمكن أن يصل إلى درجة نبي. لا لا يصل. Il n'y a pas un saint qui arrive à atteindre le niveau d'un prophète. Mais s'il était parmi les pieux véridiques sincères, alors il peut les rendre visite. يمكن أن يزورهم. Et il peut encore que le prophète Mohammed les rend visite. لأنه كان متواضعا في الدنيا وهو دوما سيد المتواضعين. Alors le prophète Mohammed, il était modeste dans le bas monde et il rendait visite à certaines femmes. قوموا بنا نزور الشهيدة. Sayyidina Muhammad. Il y avait une femme pieuse qui était tuée au temps de Sayyidina Omar par deux esclaves. Ils l'ont mis une oreiller et ils l'ont étouffée. Elle est morte. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il disait à ses compagnons, allez-y, on va visiter la martyre, la femme martyre. Allez-y, venez, on va visiter la femme martyre. قوموا بنا نزور الشهيدة. Et elle était tuée injustement par ces deux personnes. C'est normal, il les a trouvés, il les a tués.
Mais regardons que le prophète, mais c'est pas, il visitait même une femme. Allez-y, on visite telle femme, on visite. Et le cheikh Abdullah, pour dire, le cheikh Abdullah, lorsqu'il venait en Suisse, il y avait certaines sœurs qui ont embrassé l'islam et ils les rendent visite, certains frères, certains sœurs, certains. Et ils ne dites pas, voilà, ils sont où les riches de votre société? Ils sont où les docteurs? Il n'a jamais demandé ça, le cheikh Abdullah. Voilà, marra sa'al. Aïna l'agnia indakum? مثل واحد وهابي اسمه خليل الصيفي مات هلا عم نذكره نحن تحذيرا منه ولبيان سوء حال الوهابية pour parler de la mauvaise état de الوهابية اسمه خليل الصيفي فراحوا هيدول الجماعة وبدهم يجيبوا عبعلبك المدينة اللي نحن فيها ما فيل بعلبك Moi, j'étais à Beyrouth de toute façon, mais il y avait les frères, les élèves du Cheikh Abdullah. قالون بدي بس لروح بجيبوا لي الدكاترة والمهندسين والمثقفين. Il a dit, moi, lorsque je viens vous, j'aimerais que vous me ramenez les docteurs, les ingénieurs, les intellectuels. قالوا لك لك روح في شوية تلاميذ بالأول. أنت خلص معهم ما جيب لك اللي بدك إياه. Il voulait le viser qu'il y a les élèves de Cheikh Abdullah. Passe tout d'abord avec ces gens-là, que ces gens-là t'acceptent. Après, par la suite, on te ramène qui tu veux. لكن كان وهابي. Au début, il a fait, il a dit, قال, صار يدرس بالبغية الطالب il enseignait بغية الطالب et lorsqu'il est arrivé à النار جهنم خالدين فيها أبدا لا تفنى pour l'enfer les mécréants sont restés éternellement ne s'anéantit pas ne sera jamais éteint il a dit خليل الصيفي وقال بعضهم إنها تفنى il a dit وقال بعضهم إنها تفنى il a dit et certains ont dit que l'enfer a une fin alors les frères ils ont dit mais c'est quoi ça Il n'y a pas dans le Bouria, le cheikh Abdullah n'a pas dit, et toi tu prétends que tu expliques le Bouria, et c'est dans le Coran, et c'est Ibn Taymiyyah qui a dit, tu vois, yani il pense que lui il est intelligent, qu'il peut faire. مثل ما فعل ابن أبي العز الأزرعي هذا المنتسب كذبا وزورا إلى المذهب الحنفي. Quelqu'un qui s'appelle Ibn Abi al-Izz. Al-Azru'i al-Hanafi, c'est lui-là, il a prétendu faire le commentaire de Tahawi. Alors l'imam Tahawi, il a dit, « La tafnani abadan wa la tabidan » Comme il a l'habitude de l'imam Tahawi, il dit la parole, il dit le synonyme, après il répète, après il confirme, c'est ça son habitude. Alors il a dit, « La tafnani abadan wa la tabidan » D'ailleurs, il a dit la tafnan, c'est clair. Après, il a dit abadan, éternellement, comme c'est dans le Coran. « Wa la tabidan » ne s'anéantiront pas. شو قال ابن أبي العز؟ هناك قولان لأهل السنة. Il a dit deux avis d'أهل السنة. Un avis qu'il s'éteint et il n'y aura plus personne. Et un avis qu'il reste éternellement. كمان كذاب. C'est un menteur. C'est pas vrai. أهل السنة لا يقولون قولا بخلاف القرآن. أهل السنة ne disent pas un parole qui contredit le Coran. خالدين فيها أبدا. مع الإجماع مع الحديث خالدين فيها أبدا. Il y a plusieurs ayats dans le Coran al-Karim au sujet que Jahannam est éternellement ne s'anéantira pas. Et Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ont dit le contraire. Et Ibn Abi al-Izz, kathaba. En faisant le commentaire, il a falsifié. Il a falsifié. واليوم شوفوا وقاحة الوهابيين. هذا مجسم Ibn Taymiyyah مجسم والمجسم عابد وثن. Ibn Taymiyyah, il croyait que Dieu est un corps, il s'assoit sur le trône, il a des pieds, il a des hanches, il a des mains, on peut le toucher, il peut toucher, d'après lui, on peut l'embrasser, il peut embrasser. C'est ça la croyance d'Ibn Taymiyyah au sujet de Dieu. Et celui qui dit ça, c'est un idolâtre, il adore une image. Alors il a dit, le Wahhabi, il a dit, ouais. S'il y avait un prophète auprès Muhammad, sera Ibn Taymiyyah. كذبت يا لعين. لو كان قال رسول الله لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. سيدنا محمد a dit s'il y a un prophète après moi sera عمر. ليس مجسم مشبه مثلك. Il a dit après Ibn Taymiyyah معصوم. رحنا مثل هذول بيقولوا لأما المعصومين. Il a dit Ibn Taymiyyah معصوم فيما ينقله عن رسول الله. Il a dit il est Ibn Taymiyyah est immunisé de ce qu'il rapporte du prophète alayhi salatu wasalam. كذبت أيضا أفتى بنحو 60 مسألة خالف فيها الإجماع 60 questions dans laquelle a contredit l'unanimité وكان فيه العجب
والكبر والرياء وحب الرياسة والاحتقار للكبار وكل واحدة منها مصيبة وأي مصيبة. Il avait quatre maladies du cœur. Chaque maladie à part, il a une mauvaise augure de ramener la personne à la mécréance. L'orgueil, l'infatuation, l'ujub, l'ostentation, l'ria, le fait d'aimer, d'être chef, qu'on dit de lui, je suis le chef, le grand, et le fait de dénigrer les grands comme Sayyidina Ali ibn Abi Talib, احتقار الكبار. مثل مين يعني احتقار الكبار؟ مثل أحب خلق الله إلى الله بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو كان يحتقر علي يقول قاتل للرياسة ولم يقاتل للديانة. أنتم تعتزون بابن تيمية، نحن نعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله نعتز بالصحابة، وبعد الصحابة نعتز بأئمتنا مالك والشافعي وأحمد والأشعري والماتريدي. Vous avez pris quelqu'un de 8e siècle مجسم مشبه متكبر مرائي كما قال الذهبي مش أنا كما نقل الذهبي ونقله عنه السخاوي. Nous on trouve la fierté connue de la communauté du prophète Mohammed. C'est ça notre fierté, que notre prophète est le prophète Mohammed, que nos références après lui c'est Abu Bakr wa Omar wa Othman wa Ali wa Ibn Abbas wa Talha wa Zubayr wa Khalid ibn al-Walid. Et après ces gens-là, on a les grands saints de parmi Tabi'in, Ibn al-Musayyab, Al-Hassan al-Basri. Et après ça, on a Abu Hanifa, et Malik, Al-Shafi'i, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Et c'est notre fierté, et c'est notre honneur. Et le Cheikh, le Cheikh Abdullah al-Habashi, m'a atta bishay'in jadid ala haoulai l'aimma. Lizalik, on a 200 kitab, et on est داخل على اليمين من كتب هذا الشيخ الفاضل وتلامذته ونحو 200 كتاب لأئمة الإسلام مثل الإمام أحمد والبيهقي والعسقلاني والنووي والغزالي. فليقارن من أراد معرفة هذا الرجل الصالح فليقارن. Alors nous après on dit et le Cheikh Abdullah n'a pas amené une nouveauté, il n'y a pas une école qui dise Habashi, il n'y a pas un groupe qui a des idées spécifiques qu'on dit c'est l'Ahbash, c'est l'école de l'imam Shafi'i et c'est l'école de Abu Hanifa et Malik et c'est la voie de l'Ash'ari wal Maturidi. C'est pour cela que vous allez trouver à droite à peu près 200 livres dans le fiqh et dans l'aqida et dans le tasawuf et d'autres parmi les livres de Cheikh Abdullah et ses élèves. Et de l'autre à gauche là, il y a en face à peu près encore 200 livres de parmi les imams de l'islam, de parmi, qu'on parle de parmi salaf et après certains de parmi khalaf. Il y a les livres de Shafi'i, de Abu Hanifa et de l'imam Malik, le Muwatta et les autres imams après. Alors celui qui veut savoir qui est le Cheikh Abdullah, il n'a qu'à comparer entre ces livres de deux côtés. وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إذا واحد بده يمارس الغباء مشكلته. Alors سيدنا محمد a dit suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce qu'ils disent les gens. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام nous a dit tu n'as pas le droit de rapporter la parole des gens qui ne sont pas dignes. J'ai entendu les gens dire, disent, et j'ai dit comme eux, tu dois vérifier, tu dois vérifier. Alors celui qui veut pratiquer l'idiotie, il dit j'ai entendu, j'ai dit comme les gens, c'est, il y a beaucoup de kuffars. Les kuffars d'ailleurs, ils disent cette parole dans la tombe aux anges. J'ai entendu les gens disent, j'ai répété. Alors toi, si tu es intelligent, ne dis pas comme ça, je dois vérifier. Je dois vérifier, vérifie. Vérifie avant de dire du mal de certains savants. Si tu ne veux pas pratiquer l'intelligence, tu veux pratiquer l'hypocrisie ou l'idiotie ou la perversité, alors c'est toi qui es responsable de ce que tu fais. Baden, yani, Cheikh Abdullah Bil-Akhir, عمل شيء لهذه الأمة وصل خيره شرقا وغربا. Le Cheikh Abdullah, il a fait du travail pour cette communauté lorsqu'il a mis en garde contre le Wahhabiyin, contre Hizb al-Ikhwan, contre Hizb al-Tahrir avec les arguments. Le fait de renouveler pour cette communauté l'enseignement de Tawhid, les trois sortes de mécréances, comment réciter le Fatiha, comment se diriger vers le Qibla, mahek, ma'rifat awqat al-salawat, le fait de savoir quand est-ce le Atr. Moi je me rappelle à l'époque, tu demandes aux mashayikh, aux imams dans la mosquée, comment le Asr rentre.
Comment l'Asr rentre? Je vois que Tawqit, voilà, les papiers sont là-bas. Non, on ne parle pas des papiers. Comment l'Asr rentre par rapport au soleil? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Alors il a rénové pour cette, il a fait un grand bien pour cette communauté. Allah Ta'ala fataha ala hadha ar-rajul wa ja'ala lahu qabulan 'inda kathirin min ahli al-ard. Allah Ta'ala a guidé cet homme et il lui a fait apparaître beaucoup de bien sur ses mains et sa parole, et voilà ses élèves depuis l'Australie et New Zealand de l'Est là-bas, après avec la Chine, parce que l'Australie et New Zealand c'est avant la Chine, et après on parle de la Chine, et par la suite tu parles de Indonésie, Malaisie. Alors ces élèves là-bas c'est des milliers et des milliers, si c'est pas des dizaines des milliers, jusqu'au l'Europe et l'Amérique. والوقت اللي بتقول انه في بعض الانبياء ايش تبعه واحد يعني il y a des prophètes à l'époque, il a été suivi par un seul homme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala يهدي ما يشاء. هلا لا يظن ظن انه ان تقول الخير هذا خير لك. Si tu dis du bien, c'est bien pour toi. ولكن ان تسب العلماء هذا ليس خيرا لك. Mais si tu insultes les savants, si tu critiques les savants de l'islam, c'est pas un bien. Allah, anta khuda'at mushkiltak. Si tu as été dupé par wahad najis wahhabi, parce que l'anbi, min nahit Montreux, Veveil, voilà, c'est le groupe de Daesh, le groupe de Nusra, le groupe de Ibn Taymiyyah. Il croit que Tassim est la vérité. Il croit que Tassim est la vérité. Alors je ne sais pas comment ces gens-là ont compris la parole de Sayyidina Ibrahim, inni la uhibbu al-afilin. Lorsque Sayyidina Ibrahim a vu l'astre, a vu la lune, il a vu le soleil, il a dit je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît. Qala la uhibbu al-afilin, la uhibbu ibadata man ya'ful. Ana la azun la Ibn Taymiyyah wala Ibn Abd al-Wahhab ولا الألباني والعثيمين ولا هؤلاء الغوغاء فهموا لما قال إبراهيم لا أحب الآفلين ولا أظنهم فهموا يعني لا أظن يعني لا أعتقد مش من باب الشك لا أعتقد جزما أنهم ما فهموا je crois fermement parce que le mot ظن ça veut dire croire fermement إني ظننت أني ملاق حسابي je crois fermement que ces gens-là ils n'ont pas compris la parole de Ibrahim la uhibbu al-afilin je n'aime pas l'adoration de ceux qui disparaissent. Pourquoi? Parce que la disparition c'est un signe de contingence et ils n'ont pas compris lam yalid wa lam yulad, ils n'ont pas compris lam yalid wa lam yulad, et ils n'ont pas compris non plus pourquoi il n'est pas musulman celui qui dit pour Jésus ou un être humain fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas croyant? Pourquoi il n'est pas musulman? C'est lui qui dit un tel fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le fils implique quoi? Une partie. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Une partie. Et si quelqu'un il croit qu'un tel est une partie? On a dit il n'est pas musulman. Allah l'a dit dans le Coran. Et ça veut dire quoi? Parce que lorsque tu dis une partie, tu dis que et Dieu est encore. Alors c'est lui qui dit Dieu est encore, il a contredit la miyalid wa la miyulad. C'est lui qui dit que Dieu est encore, il a contredit la miyalid wa la miyulad. Ba'den, بتقول انت انا انا هذه هذا اعتقادي. C'est ça ma croyance. هذا هو التوحيد الذي امشي عليه. لا اله الا الله اي لا شبيه له بوجه من الوجوه. Il n'a pas de similaire pour Dieu parmi les significations de la ilaha illallah, pas de pareil, pas de similaire pour Dieu azza wa jal même par un attribut. C'est ça ma croyance. Alors, dit après ça, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Si tu as cette croyance, c'est un mérite de la part de Dieu. Et Allah Ta'ala donne par son mérite à certains la guider. Et c'est Allah Ta'ala, comme on vient de dire, il partage. Et il fait de son mérite, grâce à lui, il guide qui il veut. وَاللَّهُ تَعَالَى تعالى واسع عليم لكن الله تعالى قال في مثل هؤلاء الذين اعتقدوا أن لله ولدا وابنا أو اعتقدوا أن الله جسما وظنوا أنهم هم على الحق. Il y a des gens qui ont cru que Dieu il a un fils
Il y a ceux qui ont dit que Allah est un corps. Il y a ceux qui ont dit que Allah s'assoit sur le trône. Il a des pieds, il a des sandales ou des souliers en or. Et ils croient que c'est ça la vérité. Ils disent Tawhid al-Sifat. Ils disent ça pour eux, Tawhid al-Sifat. Croire que Dieu est un corps, il s'assoit, il se lève, il peut toucher, on peut le toucher. قال تعالى في مثل هؤلاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants parmi les gens الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants parmi les gens ce sont ceux qui ont agi dans le mal et dans l'égarement tout en pensant qu'ils sont dans la guidée. Le fait que tu penses que tu es dans la guidée, ça ne veut pas dire que tu es dans la guidée. Et ça veut dire que tu es من أهل التوحيد وأنك أنت المؤمن الظن هذا لا يكفي لا يكفي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع فساد المعتقد لا يقبل avec la mauvaise croyance tout ce qu'ils ont fait sera pas accepté alors les idolâtres sont inclus ceux qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala le fils sont inclus ceux qui ont attribué à Dieu le corps sont inclus ceux qui ont cru qu'Allah est le monde certains qui se disent soufis بعض من يدعي التصوف certains qui se disent soufis et ils disent le monde est Dieu et ils disent il n'y a que Dieu qui existe tout ce que vous voyez c'est Dieu tout ce que vous voyez c'est Allah depuis le trône le soleil la lune la mer les rats les souris les fourmis les abeilles tout ça c'est Dieu alors c'est des grands mécréants comme Lénine comme Marx ces gens-là alors celui-là il pense qu'il est en train de faire du bien il prie mais il adore les chiens il adore le cochon c'est pas un musulman c'est inclus. Et ceux qui ont été comme le Hallaj, ils croyaient qu'Allah rentre dans les corps de certains saints. Hallaj yaqul hada maqam al-jam'. Il dit c'est une étape chez tasawuf, c'est le al-jam', c'est comme il dit que l'unité que à un certain moment le corps du saint rejoint Dieu ou Dieu rejoint le corps du saint et il disait lui à certains élèves il n'y a dans la jubba qu'Allah et il a dit à son élève de Ar-Rahman Ar-Rahim Antel et celui-là il prétend qu'il est un saint qu'il est un soufi non c'est parmi ceux qui ont dalla sa'yun fil hayat ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a parce que lima li'annahu fil haqq laysa muttabi'an lil tawhid alladhi ja'a bihi an-nabi alayhi as-salatu wa salam parce qu'il n'a pas suivi at-tawhid que le prophète alayhi as-salatu wa salam a transmis wal mujassima laysa muttabi'in lil tawhid alladhi ja'a bihi an-nabi alayhi as-salatu wa salam inma hum muttabi'un lit tasim 'ind ibn taymiyah lish waqafu 'ind ibn taymiyah wa taraku a'immat al-huda. Pourquoi ils se sont limités à Ibn Taymiyyah, 8e siècle, et ils ont délaissé les grands imams comme Abu Hanifa. Et lorsque Abu Hanifa, il a fait 5 livres dans l'Aqida, après ils ont dit Abu Jifa. Et lorsque l'imam Ahmad a parlé de certaines choses dans le Tabarruk, dans le Tawassul et dans le Tawhid, ils disent, oui, mais l'imam Ahmad, il peut se tromper. Une fois, ils disent, c'est un grand imam, une fois, ils disent, il peut se tromper. Lama, yuqalahum, l'imam Ahmad, qal, yajouz anna tabarrak min minbar. يجوز أن نتبرك بالقبر يقولون لا يجوز أن نتبعه هذا خطأ لا يجوز أن نتبعه مع على أساس إمام أهل السنة على أساس هذا الإمام إمام أهل السنة وأنه رؤية في المنام على باب الجنة وأنه يدخل بيده من كان من أهل السنة بعضهم رأى يعني فكيف بعدين طلع إذا قال هذا لا يستحق أن يتبع بعض الوهابين قال لي إذا قال هذا لا يستحق أن يتبع إلى دي المدي que s'il a dit ça, il ne mérite pas de le suivre. Ala kullin, Cheikhna, Cheikh Abdullah, il n'a pas dit « ramenez-moi les docteurs, ramenez-moi les riches ». Et lorsque une fois j'étais chez un docteur qui était le directeur de l'université dans laquelle j'ai pris mon diplôme, et j'étais chez le Cheikh Abdullah et je faisais, alors c'était à un certain moment, lui, il était le directeur. Alors, il y avait un problème. On a été chez lui à la maison pour rendre visite. Il m'a dit, mais le Cheikh Abdullah, Cheikh Khaled Al-Khaldi, quelque chose comme ça, Cheikh Khaled, docteur Khaled Al-Khaldi.
Il connaît le Cheikh Abdullah, il a même accueilli. Il a dit, votre Cheikh, Cheikh Abdullah, il connaît 30 sortes de sciences de ilm al-din. عنده 30 فن من علوم الدين. لما لا يدرس إلا التوحيد. Il m'a dit comme ça. Il a 30 sortes de sciences dans l'islam. Pourquoi il n'enseigne que l'aqida, que le tawhid? Je dis, le Cheikh Abdullah, il donne l'importance, il donne ce qui est plus important pour ce qui est important. Il y a les choses plus importantes par rapport à ce qui sont importants. Mais il n'a pas négligé al-tahara wa salat et les péchés. D'ailleurs, il a fait le livre al-Murtasar. Hein? Il n'a pas seulement fait As-Sirat al-Mustaqim dans l'Aqida, il a fait le Mukhtasar dans le Fiqh. Et on a appris chez lui un peu dans le Hadith et dans la langue arabe. Et certains de ses élèves, ils ont beaucoup appris, ils ont enseigné les autres sortes. Mais le Cheikh, il a mis pendant 40 ans ou 50 ans l'accès sur l'Aqida parce que c'est la priorité, parce qu'il a vu que dans le pays des Shams, c'est des choses catastrophiques. Al-Hala yursalaha. حال يرسلها في الكفر في التسمية أقوال الكفر كشرب الماء. Les paroles de mécréance, les gens les prononcent comme si tu es en train de boire de l'eau. Et le Cheikh Abdullah a travaillé sur ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déjà dit, alors je lui ai dit, il a donné la priorité. بعدش قال شيخ كن نزل إلى العوام. Il a dit le Cheikh Abdullah, il est allé vers la masse des gens, العوام. تعرفون العوام؟ يعني تاجر الخضرة والحارس والموظف. يعني ما اجى لعند الدكاترة والمهندسين. Il a dit, il a pris soin des masses, des gens humbles, des gens qui travaillent, celui-là comme gardien, celui-là peut-être il travaille comme ramasseur de poubelles, celui-là vendeur fruits et légumes, celui-là il a un petit magasin, voilà, beaucoup. Il y avait des docteurs, mais on voyait qu'il donnait لكن هذا الخلق. Ce comportement qu'on enseigne à tout le monde, on s'assoit avec tout le monde, on accueille tout le monde, on ne fait pas la distinction par l'argent et le poste. C'était le comportement de qui? De Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يقدم الأغنياء ويؤخر الفقراء. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne donnait pas la priorité aux riches et les pauvres sont derrière. أبدا. كان النبي عند النبي يرى أصحابه بمنزلتهم عنده بمنزلة من يلازم التقوى. Le plus proche c'est celui qui maintient le plus la piété, qui travaille plus pour l'islam, pour la da'wa. C'est ça qui est proche du prophète et c'est ce qu'il a fait le Cheikh Abdullah. Lakin haoula, c'est des gens, ils ont vu qu'il a eu beaucoup d'élèves et qu'ils veulent, certains ils voulaient apprendre. On a appris le Bukhari, Muslim, on a appris. Mais vous apprenez pourquoi? Pour la fierté, hein? Pour la fierté. J'ai appris tel livre et tel livre et après tu mets dans la bibliothèque et tu écris. Moi je connais ça, moi j'ai appris ça. Moi le Cheikh Abdullah, il voulait les gens qui apprennent 13 attributs de Dieu, 3 sortes de mécréances, comment réciter la Fatiha, les piliers de la prière et la purification, enseigner aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est ça qu'il voulait le Cheikh Abdullah. Et c'est comme ça les choses doivent agir dans l'islam. هذا الذي أراده شيخنا أراد أن يكون عنده ناس يريدون أن يفتخروا أنا أروي البخاري بالسند أنا أروي مسلم بالسند أنا أروي الترمذي. شيخنا يحفظ الكتب الستة كما نحفظ الفاتحة. Le Cheikh Abdullah, il a appris les livres de l'hadith comme nous récitons le Fatiha par cœur. Et il marchait pour apprendre à pied 200 kilomètres à pied. Nous à 5 kilomètres on reste chez moi, il n'y a pas une voiture, je reste chez moi. Et lui il passait 200 kilomètres pour aller chez les avants apprendre. Alors lui, celui qui a fait ça, il va chercher seulement à des gens qui cherchent la fierté et il leur donne. Ma'azallah, c'était pas ça. Il cherchait les gens qui travaillent. Alors, vous connaissez le Cheikh Abdullah, vous aimez l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi, vous aimez l'imam Shafi'i et Abu Hanifa, vous aimez Abu Bakr ou Omar ou Ali ibn Abi Talib, et vous aimez bien sûr le prophète Muhammad avant tous ces hommes, et vous aimez plus que tout Allah subhanahu wa ta'ala. Si, c'est comme ça. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. وَلْيَمُتِ الْحَاسِدُونَ بِحَسَدِهِمْ وَبِغَيْظِهِمْ.
Alors, si vous aimez Dieu plus que toute autre chose, et par la suite le prophète Mohammed et les compagnons, et les quatre imams, et les deux imams dans l'aqida, et vous êtes sur leur voie, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien pour vous, alors ceux qui sont jaloux de vous, ceux qui ont de l'animosité qui, contre vous, alors voilà, il y a assez des montagnes et des rochers en Suisse qu'ils cassent leur tête et qu'ils meurent de leur animosité. نحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ونسأل الله تعالى أن نقولها غدا في الجنة. Louange à Allah qui nous a guidés à être parmi les croyants, parmi la Sha'ira, parmi Shafi'iyya, parmi le Malikiyya, parmi le Hanafiyya, et nous souhaitons d'être parmi ceux qui disent lorsqu'ils rentrent au paradis الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Inch'Allah, vous seriez parmi ceux qui disent, parce qu'Allah Ta'ala a dit que les gens dans le paradis, lorsqu'ils rentrent, ils voient ce qu'Allah a donné, ils disent cette parole qui signifie louange à Allah Ta'ala qui nous a guidés à être aujourd'hui dans le paradis, qui nous a guidés à être musulmans et dans la piété, et grâce à ça on est aujourd'hui, et si ce n'était pas la guidée de Dieu, on ne sera pas aujourd'hui dans le paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث عظيم وهذا شو بعض الأحيان des fois on a l'intention de terminer tout le hadith et puis on n'arrive pas à avancer qu'une parole. لا تحاسدوا ولا تباغضوا. On était vers là. Bon, inshallah on le continue dans une autre leçon. Ce qui est important encore, que je donne un conseil. Il y a des gens, depuis la Chine, je pense que lorsqu'il y a la leçon de samedi, alors ils mettent la leçon sur le grand écran. Le grand écran, et ils ramènent toute la famille et ils assistent. C'est-à-dire dans des pays lointains, au moment de la leçon, alors ils font ça. Alors, j'aimerais donner un conseil. Ou d'ailleurs les frères là, beaucoup parmi eux, vous, le pratiquent. Ce n'est pas le samedi qu'on va faire visiter un tel ou un tel au moment de la leçon. Soit tu le visites avant, c'est-à-dire il te fait un bon grillade et il t'invite avant. Soit il te fait un bon dessert après la leçon. Mais pas au moment de la leçon qu'on se visite. « Ya ila andak ya Saïd, aya si'a, a si'a sab'a urubo, haddir li halak. » je viens à toi à 19h15, juste avant la leçon, un quart d'heure. Saïd, il dit, quand? Quel jour? Samedi à 19h15? Mais non, mon frère, si tu veux à 21h30, oui, juste, j'ai 30 minutes pour arriver chez moi. Sinon, un autre jour. Mais sinon, j'accepte, bien sûr. À quelqu'un, il propose de me visiter. Mais bien sûr, bienvenue. Mais à 9h30, après le Maghrib, même à 9h50, pour que je fasse le Maghrib en groupe. Wahde. Hatta le mariage, mon frère. Le mariage. Tu as prévu le mariage quand? Ah, le samedi à 18h. C'est-à-dire de 18h jusqu'à 11h du soir. C'est pas le bon moment. C'est pas, on fait le mariage le samedi pendant la leçon. Sauf si tu veux qu'on soit tous chez toi et tu nous invites tous individuellement et à un repas de mariage, on doit assister. Et toi, tu dois calculer la quantité de viande pour que tout le monde vienne chez toi. هذه نصيحة أنه on a une bonne habitude, ou c'était avant que j'arrive moi en Suisse. Moi je suis venu 92. C'était cette habitude avant 92. Le samedi, tous les frères, ils viennent. Sœurs et frères. Maintenant, j'ai dit, ceux qui sont loin, certains nous suivent. Et avec le grand écran, avec la famille. Mais ceux qui sont là, il ne faut pas qu'ils me suivent depuis la maison. Ils disent, ouais, je suis cher Gilles, cher Jamil, été court depuis chez moi. Pourquoi le fait de marcher à pied pour venir à la mosquée, c'est mieux. Et le fait de faire le Maghrib, tu fais chez toi encore, tu me suis ou tu fais comment? Alors, essayons de se déplacer. Parce que, ouais, le fait de voir tes frères. Le fait de regarder certains visages, ça fait adoucir le cœur, ça fait plaisir au cœur.
Des fois, ça te fait pousser à travailler dans le bien. Certains frères, certaines sœurs, tu les vois, tu dis Alhamdulillah. Ça, yani, il y avait des gens, ils regardaient Mohamed Nouassir et ils travaillaient une semaine. Alors, je n'ai pas dit que vous êtes comme Mohamed Nouassir, mais quand même, vous avez le cœur qui est plein de tawhid. Et vous êtes parmi les élèves de Cheikh Abdullah. Bien sûr, le fait de voir vos visages, ça nous motive à travailler pour l'au-delà. On délaisse les problèmes autour de nous. Hein, le problème de la vie, le fait qu'on se retrouve, c'est très important. Il n'y a pas de clim, c'est pour cela qu'on n'est pas venu. MashaAllah alaykoum. MashaAllah alaykoum. Je vous dis, lakin ahl Makkah ou Madina bil sif, les gens au temps du prophète Mohammed à Médine et à la Mecque, ils disaient quoi? 50 degrés. Vous êtes la moitié maintenant, à 25. À 25 maintenant, la température à 25. La moitié. Et les compagnons, on est d'accord, il n'y avait pas de clim. Ni à la Mecque ou ni à Médine. Et il ne disait pas, on ne vient pas parce que il n'y avait pas quelque chose. Clim. On ne dit pas délaisser le tana'am, c'est très dur délaisser le tana'am en Suisse. Délaisser le tana'am en Suisse, c'est très dur. Mais diminuer un peu. Diminuer un peu. Tu te rappelles un petit peu de cette chaleur, qu'est-ce qu'il va arriver le jour du jugement? Tu te rappelles un petit peu si tu as soif, que ça veut dire avoir soif le jour dernier. Il y a des choses à méditer. Izan, barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Le majlis dans cette mosquée, qu'il soit tel imam ou il n'y a pas tel imam, on se retrouve tous les samedis comme on se retrouve dans le vendredi. Et on essaie de faire pour la prière, les cinq prières si je suis libre, ainsi de suite. C'est parmi les mosquées qui sont pleines par la prière, par les leçons, par les invocations, par la lecture du Coran. Alors maintenez cela, c'est une bonne chose qu'on avait depuis 40 ans, il faut la maintenir. WhatsApp, Facebook, YouTube, il ne faut pas qu'ils changent cette habitude de venir. Ramenez vos enfants, toujours on a dit ça, mais maîtrisez-les, vous êtes d'accord qu'ils s'habituent à être avec nous. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم يوم الاحد vous êtes tous invités pour ce jour là et vous êtes tous invités encore si vous voulez soutenir ce jour encore parce que le jour là-bas c'est gratuit, le mishwi c'est gratuit. Dimanche à partir de 10h 11h et oui, ah oui, ah oui, pour je veux 5 voitures à partir de 5h du matin. On fait la prière de Subh et on part là-bas. Et petit déjeuner, charge compris. Charge compris, le petit déjeuner pour ceux qui viennent à 5 heures. Parce qu'on a besoin de réserver la place. Toujours c'est éteint.